Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce dimanche 24 octobre 2021, il est actuellement 10h49 sur notre belle Cocolindo. J'adore le mois d'octobre et surtout j'adore Halloween. Ses costumes, ses bonbons et ses citrouilles. Ces délicieuses cucurbitacées font de ravissantes lanternes pour peu qu'on les sculpte avec amour. Et ce n'est qu'un des nombreux plans de bricolage impliquant des citrouilles. Il paraît qu'on trouve désormais des pousses de citrouilles au stand de racines et un tarif spécial. Mais s'il n'est pas là, la boutique Nook offrira aussi des pousses de citrouilles pendant un certain temps. Je vois déjà Cocolindo conseiller de citrouilles dodues, ce sera magnifique. J'allais oublier, la boutique Nook proposera des bonbons jusqu'à Halloween. Pensez à vous constituer un stock, il serait dommage de se retrouver à court de bonbons pour Halloween. J'ai hâte de voir tout le monde en costume pour Halloween. N'oubliez pas de préparer vos tenues déjantées et autres accessoires effroyables à l'avance. Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passez sur cette île soit enchanteur. Salut tout le monde, c'est Lou, on se retrouve à Cocolindo après des mois d'absence. Ouh là là, on va se faire disputer par les habitants, mais bon. Ouh là là, mes cheveux. Ok, bon, voilà, c'est mieux. Alors, on est en direct sur Twitch comme d'habitude. Salut à tous ceux qui sont là, salut Jonah Brand, salut Loutre. Tiens, salut Dimitri. Lou, mais où est-ce que t'étais passé? Ça faisait super longtemps. J'avais gardé un casse-croûte à manger avec toi. Mais j'avais oublié qu'il était dans ma poche et je me suis assis dessus. C'est pas grave, je vais aller en acheter un autre et on pourra le partager, la pinounou. Ouais, ouais, alors je sais, je sais. Hop. Attends, hop, allez. On se remet. Voilà, c'est un peu venteux ce matin. Ah là 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 là. Bon, il y a la mise à jour qui arrive, donc ça y est, on va pouvoir se relancer dans... On a que ça comme courrier ? Waouh, bon. Kéké qui m'envoie un petit morceau. La banque Nook 1356. La JD 73 986 points. Ça a baissé mes points. Maman qui m'écrit: mon cher Lou, saison des longues balades, une pomme entre les dents et deux dans chaque poche. Saison des lectures interminables, des siestes en pyjama qui se prolongent à l'infini. L'automne est trop court. Et trop court, si j'arrive à le parler, dis donc. Et Jaco qui m'écrit: chers futurs sbires fidèles, je ferai ma lugubre apparition le 31 octobre lors d'Halloween, mes citrouilles. En attendant, j'invite chacun de vous à spammer devant mon portrait tout en préparant une réserve de bonbons. Halloween m'en vôtre, Jaco. Très bien. Ah là là, salut Gab de Lioncourt, bienvenue à toi. Ma boîte est pleine, Jonah Bran. Ah oui, 300 sur 300, mince. Mince. Ah oui, je savais même pas qu'on pouvait atteindre une boîte pleine. Ah, c'est embêtant. Tiens, mais Gulliver, j'ai même pas récupéré. Bah, dis donc. Alors, attends. Bah, typiquement, comment on fait pour... Non, ça se supprime pas automatiquement. Si, ça se supprime automatiquement, je crois. Parce que j'ai reçu beaucoup plus de 300 courriers, en fait, au final. Oui, oui, non, ça se supprime automatiquement, en fait. C'est pas les premiers courriers que j'ai reçus. Non, c'est bon. Voilà. Alors, bon, il faut qu'on fasse de la place dans les popoches, parce qu'on va avoir du boulot, puisqu'il faut qu'on fasse de la place pour les nouveaux champs. On va pouvoir... Oh, voilà, pourquoi j'ai des points en moins. Viens ici. Squeak, désolé. Alors, la chanson des câlins. Voilà. Il va y avoir des champs parce qu'on va pouvoir cultiver, vous vous rendez compte? C'est incroyable ça. Et faire de la cuisine, non mais j'ai tellement hâte. Bubblegum, ok. J'entrepose. Hop. Je confirme, Bubblegum, voilà. Il y aura aussi des nouvelles musiques, tout ça. Je vais ranger mes objets de Saint-Valentin. Ok. Oh, attendez, j'ai pas joué depuis la Saint-Valentin. Non, je les avais laissés traîner, je pense. J'espère. Salut Gripsune. Bienvenue à toi. Alors, baladons-nous. Il n'y a pas trop de mauvaises herbes. C'est marrant. C'est même bizarre. C'est suspect. Il va me falloir des fruits.
On pourrait peut-être faire des gâteaux aussi avec les fruits. Alors j'avoue que j'ai une toute petite déception sur l'annonce de la mise à jour. Parce que, non, en vrai, elle est hallucinante. La quantité de contenu, c'est juste dingue. Il y aura évidemment Robusto, tout ça. Il y a de la cuisine. Il y a tellement de trucs. On pourra poster des échelles et mettre plus de rampes et d'escaliers. Non, le seul truc qui me chiffonne, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux fruits. Mais cela dit, peut-être qu'ils l'ont pas révélé. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas tout dit. Et Anna ? Tiens, Bichon, ça fait un bail. Je suis drôlement joyeuse de te revoir à Cocolindo. On causait justement de toi l'autre jour. On se demandait où t'étais passé. T'as fait coucou à tout le monde ? Va faire le tour des potes, ça leur fera plaisir de voir ta trombine. Bref, contente de te revoir, Bichon. Kampai. Ah ouais, non, mais j'aimerais bien revoir le retour des citrons, des kiwis, des mangues, j'en sais rien, moi. Il y a des citrons qui ont été spot dans l'image d'une recette de poisson, me dit John Abraham. Non, mais c'est génial. C'est génial. Ah, bah c'est parfait, alors, si les citrons ont été observés. Ah, mais c'est super. Oh, des nouveaux fruits. Le truc, c'est que mon île est trop petite. Enfin, comment veux-tu? Puis sans parler du DLC, en plus, il y aura le DLC. Tiens, loup, ça faisait une sacrée paye. T'as l'air d'avoir changé un peu, tu sais. T'aurais pas osé vivre de grandes aventures sans moi. Enfin, bref. C'est chouette de te revoir, mais il me refait plus le coup de te volatiliser, ok? Mais tu fais quoi? La vache, j'ai de l'or dans les doigts, regardez-moi ça! Alors, qu'est-ce qui t'amène, la pinounou? Bah, qu'est-ce que tu fais? Un masque feuille? Bah, je sais le faire. Ah oui, c'est sûr que les fruits, on les trouvera sur les îles d'Amiral. Ça, je suis sûr et certain, John Abraham. Voilà. C'était déjà le cas avant, il fallait aller sur les îles tropicales pour pouvoir trouver ses fruits. Ah, c'est trop bien alors. Le truc, c'est où est-ce que je vais les mettre? Parce que je voulais faire un quartier fruits, tout ça et tout, mais... ça a pu tenir. Là, pareil, mon petit côté forêt. Ah. Une mauvaise herbe quand même, c'est fou qu'il y en ait si peu. Tant mieux, bon là, il y en a un petit peu. Et on pourra reprendre des arrêtés aussi, donc je mettrai l'arrêté qui réduit la pousse des mauvaises herbes. Voilà. Et le retour des gyroïdes aussi, bien sûr. Et alors le DLC, les villas de loups, on pourra construire des bâtiments. Ça ressemble un petit peu à Happy Home Designer que j'avais pas trop apprécié pour le coup. Parce que je trouvais que le gameplay était un peu... Mais là, mélangé dans le jeu, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Happy Home Designer tout seul était pas très intéressant, je trouve. Il y a quand même des mauvaises herbes un peu là. Et ben, par exemple ici, je pourrais mettre une échelle. Ça peut être un bon endroit. Ouais, à droite. Genre là, une échelle. C'est ça, Gripson, il faudra faire des sacrifices. Si je pousse ça un petit peu, est-ce que je peux le pousser d'une demi-case? Voilà. Et là, je mettrai l'échelle, du coup. Impeccable. Parce qu'une rampe, voilà, ça aurait fait trop de trucs, mais une échelle, c'est parfait. Là, pour garder un petit coin sauvage. Donc, mon quartier orange... Bah là typiquement par exemple, mais je vais les replacer ailleurs. Ce petit champ de citrouille. Voilà, il n'y a plus trop de raison d'être. Alors j'ai une idée, hein, parce qu'évidemment j'ai cogité pour savoir comment je vais aménager mon île. Hey Lola. Oh salut Lou, qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Ah, tu t'es mis en disponibilité le temps de faire du crochet? Quoi? Comment ça, c'est pas ton hobby? C'est pas le problème, fallait pas disparaître sans rien dire. Maintenant, t'as intérêt à rattraper le temps perdu, hein. J'espère t'avoir pour moi toute seule. Alors, bah déjà, là, j'ai tous les fruits ici, j'ai tous mes arbres fruitiers dans le coin. Peut-être qu'en face, je pourrais mettre les autres arbres fruitiers. Mais ça veut dire sacrifier des fleurs. Et ça peut être pas mal, ouais. Cela dit, y a pas beaucoup de place ici, ouais. Oh là là là. Terraformer pour repousser un petit peu la rivière, sinon
Aïe, 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 aïe. Falloir prendre des décisions, c'est terrible, hein. Je peux repousser un peu la rivière. Je vire ce pommier là. J'avance la rivière un peu par là. Elle descend ici. Ça peut être ça, hein, la solution. Ah, l'île de Joe. Mais oui, John Abraham aussi. J'ai oublié de parler de l'île de Joe. Où il y aura des un campement. On pourra faire venir plein d'animaux. Genre Racine, Blaise, tout ça, ils viendront tous. Ah bah Racine est là justement. Il y a un barbecue sur la place. J'ai jamais vu ça. C'est nouveau. Pincez-moi, je rêve. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu te fais rare ces derniers temps. Où étais-tu passé si ce n'est pas indiscret? T'as plutôt bonne mine en tout cas. Je n'insiste pas, va, petit cachotier. J'espère que tu restes un peu, Galapia. Mais je reviens surtout. Yo, bichon, ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Tu t'es entraîné régulièrement, au moins? Je m'en apercevrai, sinon. L'entraînement, c'est la vie. On peut pas le laisser de côté, pas même une journée. Sueur rime avec bonheur. Ouah, après cette tirade, je me sens débordé d'énergie. Je vais aller faire quelques exercices en plus. Ciao. Alors, du courrier. Pas beaucoup de courrier non plus. Oh, John Abraham, j'ai oublié ton topiqueur. Serge et Risette qui viennent aussi, tout à fait, Audrey. Ginette qui revient. Astrid et Tortimer. Oh, Astrid, je suis tellement content de revoir Astrid, la voyante. Gloire à Patty de Lily, j'avais pas vu, tiens. Le 10 octobre, on fête l'anniversaire de Dimitri. Ok. Et puis le tournoi de pêche le 9 octobre. Eh ben, c'est passé en fait. Alors. Bah ici y a pas d'arbre fruitier par exemple. Ah si, c'est plus ou moins les pommes. Faut que je me mette d'accord avec moi-même, hein, sur les arbres fruitiers. Voilà. Ok. Ah, ça me fait plaisir de redécouvrir Cucolindo. C'est vrai que c'est bien que l'île de Joe serve à autre chose, Gripson. Et ça, je suis entièrement d'accord. Parce que c'est vrai que ce qu'elle proposait jusque-là, ça donnait pas envie. Enfin, ça donnait pas envie. T'avais pas vraiment l'utilité d'y aller souvent. Là, on aura davantage matière. Ah, puis oui, puis les personnalisations d'objets aussi. On y aura accès grâce à Serge et Risette. Peut-être que je fasse le dernier banc. Hein. Où je fais des quartiers bifruitiers. J'aurais pu ajouter un petit coin d'île. Hein. Une mini-île à côté. Je sais pas. Allons voir Élise. Alors. Coucou Élise. Non, bichon. Mais ça y est, t'es revenu. Mais où étais-tu passé? Tu me croiras si tu veux, mais l'île n'est pas pareille sans toi. Et pas en mieux, hein. C'est simple, je n'apprécie même plus mon petit Pantone du matin depuis que tu es parti. Oh, je sens que je vais craquer, c'est tellement bon de te revoir. Bah merci. Oui, je suis d'accord avec toi, John Abraham. Je suis aussi persuadé qu'on aura une autre extension du musée en face du café. Et je me dis, pourquoi pas... Ils n'ont pas tout révélé, ils ont dit. Et pourquoi pas, justement, l'observatoire de la sœur de Céleste, la sœur de Thibaut. Ce serait bien. Ah, j'avais oublié. Mais franchement, les mauvaises herbes comparées à avant, c'est gentil. Hein. Parce que dans les premières versions, tu t'absentais aussi longtemps, c'était... C'était foutu. Il te fallait refaire toute l'île. Après, j'ai plein de fleurs partout, donc c'est vrai que ça aide. Oh là! Ah oui, d'accord. Ça, c'est pour les gens qui veulent venir.
C'est vrai que selon le dataminage, on parlait plutôt de... d'une salle pour les gyroïdes, effectivement. Ce que je préférerais, parce que les gyroïdes, il y en a tellement plein collectionnés, donc ils signent aussi leur grand retour. Je sais pas si j'ai dit depuis le début de la vidéo, il y a tellement de choses. Bah les gyroïdes, ouais, ça c'est vraiment très cool, mais ce qu'il y a, c'est que tu peux pas tous les mettre dans ta maison, donc c'est vrai qu'une place un petit peu comme le musée pour les gyroïdes. Alors, mon objectif, ouais, je peux le mettre ici, le champ, en fait. Parce que ouais, il y a pas vraiment d'utilité, en fait, dans cette zone. Ce qui m'embêtait un petit peu, c'est juste qu'on perdait un petit peu le côté... Mais ça va, on est loin, en fait, de la maison de notre amie Anne-Lise. J'aime bien le côté petite maison excentrée, tout ça. La maison de la surfeuse. Oh, on pourra redécorer les maisons de nos voisins aussi grâce à l'extension. Non, mais ça va être génial. L'extension payante. Hein. Oh, Porcella. On est dimanche matin. Porcelette, pardon, à chaque fois. Bien le bonjour, t'es venu commencer ton dimanche avec des navets tout frais? J'ai plein de bons navets de la bourse de navets de Porcella à l'allée. Ils sont à 102 clochettes l'unité, tu veux m'en acheter? Oh, ils sont chers. Oh là là. Non, c'est bon. Ah, tant pis, il sera pour une autre fois. Non, trop cher. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai pas de place là. Alors, parce que oui, du coup. Alors, peut-être devoir péter ce petit étang, c'est... Non, l'étang, je veux le laisser, en fait. Combien on aura de fruits? C'est ça la question. Enfin, de fruits, de légumes. Alors. Un pour fermer. Clôture. 1, 2, 3. Espace. 1, 2, 3. Espace. 1, 2, 3. Oh, ça va, en fait, ça va, on a de la place. Bon. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Hop. La canne à sucre, tomate, blé, patate, carotte et canne à sucre. Merci Jonah Bran et Gab, du coup. Alors. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 si j'ajoute les citrouilles. Donc il me faut... c'est sûr qu'il y a tous... Il y en a peut-être d'autres après, hein, on sait pas. On sait pas trop. Bon, je vais voir. On va déjà faire un peu le ménage. Alors attends. Je vais vider un peu les poches. Ça me paraît l'endroit le plus intéressant que Colindo pour faire mes champs en vrai. Hein. Ça dit, ça fait bizarre à côté du musée d'avoir des champs. Bon, c'est pas grave. Le petit coin japonais. Ça, j'y touche pas. Yes! Oh, attention, tu te décales. Dommage, perdu un petit peu de temps. Mais oui, Gripsounet, s'il y a plus que de légumes que ça, bah mon aménagement va se péter la gueule, effectivement. Donc c'est pour ça, je suis vigilant. Bon, je vais déjà aller faire identifier mes fossiles. Faudra faire des rotations. J'achère et tout ça. Je vais acheter un tracteur. Alors, donc, du coup, le café de Robusto sera ici. Voilà. Oh, oh, il y aura Runard aussi sur l'île de Joe. Ce qui va peut-être faciliter aussi l'achat des... de ces cochonneries de contrefaçon, là. Enfin, de plutôt les vrais, on veut. Alors. Voilà. Parce que, ouais... C'est pas évident de tomber sur les... j'ai tous les fossiles, donc y'a pas de problème. Ah, il faut pas qu'il y ait de nombre impair de légumes, sinon ça c'est clair que ça va pas du tout aller. Hein. Monsieur Odd qui dit « J'ose pas retourner sur mon île, ça fait plus d'un an que j'y suis allé, ils vont me crier. » Bah non, regarde, moi ça se passe bien au final. Hein. Il me crie même pas dessus. Avant il me disait « Ah mais tu es parti depuis un an, 11 mois, 8 jours et 7 heures. » Bon, il donnait pas les heures, mais c'était rigolo en tout cas. J'aimais bien, je trouvais ça sympa.
Alors, bon, on va retirer les arbres déjà. Bon, pour retirer les arbres, je vais d'abord vider mes poches. Mais si, il y a un peu de place à côté. Mais non. Ok. Alors. Des bonnes pêches. Alors, bon, tout ça on laisse. Faut que je fasse un plan pour voir où sont mes quartiers de... Où sont quels fruits dans quel quartier. Bon. Hop. Pomme. Pomme, pomme, pilou. Toi, je vais te virer aussi. Oh, cadeau. Cadeau. Ah, je suis pas fou, je l'ai entendu. Est-ce que j'ai encore mis mon casque à l'envers? Oh, la menthe orchidée, j'adore. Peut-être en train de partir vers la gauche. Ah, c'est vrai qu'il y a un sens normalement, selon jour ou nuit. Je suis pas fou, vous l'avez entendu aussi. Je l'entends. Il arrivait en fait, il arrivait. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce donc? Non. Une boule de mousse. Ok, bon. Alors. Ok. Peut-être le laisser celui-là. Faut que je vois où je commence en largeur aussi. La largeur, est-ce que ça passe? Hein? Vraie question. J'ai pas pensé à regarder la largeur. Tu vois que la largeur, ça va rogner un petit peu. Non, pas lâcher. Salut Yukino. T'as peur des mauvaises herbes sur ton île? Mais non, regarde. Même au bout de plusieurs mois, ça va franchement. Pas trop s'inquiéter. J'ai pas calculé la largeur. Admettons qu'on... Ah, attends. Ma ruche est pas dans le bon sens. Voilà. Admettons qu'on commence ici. Non, pas trop près du bord, mais pas trop loin non plus. 1, 2, 3, espace. 1, 2, 3. Mais non, en fait, ça va. Si on en a que 6, ça va tranquillou. Ce que je peux faire, c'est mettre en mode terraformation. Voilà. Alors, on va mettre de la terre battue. Chemin champêtre. Oui, c'est l'équivalent, je crois. Ça fait genre un peu champ. Oui, voilà. Attends, à peu près ici. Ouais, ça me plaît. Alors attends, faut virer les fleurs aussi. 1. 2. Je vais faire juste le grand rectangle. Ah non, Gripsune me porte pas la poisse, hein. S'il y en a plus que 6, ça va pas aller. Ok, voilà. 2 et 3. Donc là, petite barrière. Petite barrière. C'est peut-être même un peu trop près de l'eau, on va voir. On va faire la hauteur.
Salut le gamer, bienvenue à toi. Bon, je vois qu'il y a toujours autant de fans de... de Animal Crossing, ça fait plaisir. Ouais, là ce serait un petit peu haut. Ah bah oui, là... là je pète ma citrouille. Je peux baisser un peu mon étang. Non, j'ai pas envie de baisser mon étang. Non, bah je vais bouger ma citrouille, hein. Alors. De toute façon, faut que ce soit utile, hein. Ça c'est indispensable. Alors, faut que je retire toutes les fleurs. Bon, c'est le bordel. Je vais vider mes poches là. Là, c'est le bordel. Mais au moins comme ça je serai pas pris de court quand il y aura les légumes. Mais il faut déjà le temps de tous les récupérer, ça va être sympa aussi, hein. Bon, je pense que je reviendrai à un rythme quasi quotidien de sur Animal Crossing. En fonction de ce que je peux faire, parce qu'évidemment, les week-ends je suis pas là. Mais hop, une petite demi-heure par semaine. Salut, salut. Alors, c'est rigolo ça, cette table. Hop, je viens vendre. Il va encore me... Voilà, le navet, je sais. Alors, on va vendre ça. Ça, ça, ça. Les branches d'arbres. Enfin, je fasse aussi des petits... enfin, du bois, hein. Ça va être indispensable. Pied de jacinthe, je vais les garder. Je vais vendre un feuillu. Pépite de fer. Et puis aussi, oui, le stockage va pouvoir être tellement... je vais vendre le masque, allez, hop. Tellement agrandi, le stockage. Oui, les casiers d'accès à l'inventaire de la maison, super pratique, Jonabran, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vrai que pouvoir accéder au stockage depuis l'extérieur... Par contre, où est-ce que je le mettrai? Bah, peut-être ici, en fait, hein. Peut-être que je le mettrai ici, dans le coin. J'en mettrai plusieurs de toute façon, il faut que ce soit pratique. Il en faudrait peut-être un près des champs aussi. Mais j'ai pas envie de faire un truc trop urbain non plus, hein. Je suis pas fan des éoliennes comme Krebsune. Peut-être qu'il y aura une centrale nucléaire après Krebsune d'ailleurs, la mise à jour, on sait pas, hein. Alors. Oui, ouais. Alors c'est dommage parce que si j'avais fait des... Eh ben non, c'est pas dommage parce que je vais le faire. En attendant d'avoir tous les fruits et légumes, je vais faire des champs de fleurs. Pour pouvoir essayer de faire des croisements. Mais là, je vais avoir besoin de votre aide parce que je m'y connais pas trop. Donc on va pouvoir le faire juste après. Il faudra juste que vous me dites de quelles fleurs j'ai besoin, de quelle couleur. Et comme ça, petit à petit, je les remplacerai par les fruits et légumes. Malin, non? Eh, franchement... Là, je vais remettre un peu plus d'arbres d'ailleurs. Champ de rose, je suis pas. Je sais pas. Tu m'en kikines. Voilà.
Et ce qui est bien, oui, c'est qu'il y a des anciennes séries de meubles qui font leur retour. J'espère qu'il y a la série royale qui revient. Qu'est-ce que je l'adorais. Oh. Voilà. Au pire, si vraiment j'ai des problèmes de place, je peux toujours lever la... Tiens, l'envoyer là-bas. Il y a des mauvais arbres encore. Je peux lever la rivière. Ah non, je peux pas trop parce qu'il y a la sortie, en fait, là. On peut pas bouger la sortie de la rivière. Non, je suis tellement content de la terraformation que j'ai fait. Bon, au pire, je retire ça, hein, puis voilà. Regardons. Alors, ça va ressembler à quoi, là? Tac, et ça ferme là. Bon, c'est un peu ric-rac. Cela dit, je peux descendre d'un. Et ça ferme là. Ah non, parce que ça fermerait contre le truc. Au grand mot, les grands remèdes. J'aime bien l'idée de... Voilà, là j'ai vraiment envie de jouer Animal Crossing parce qu'on a un but surtout là. Alors je vais exactement le même, la même forme, mais un cran plus bas. Ça va être relou. Voilà. Ok. Voilà. Non! C'est là, je vais faire un petit angle biseauté. Voilà. Mais non, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans biseauté? Voilà. Ok. Et donc là. Voilà. Non. Non. Ah, Maurice. Mais non, mais non. Qu'est-ce que tu me fous? Secours de bouton. Voilà. Ok. Ça a la même forme, non? Il me semble, hein. Très bien. Ok, alors. Je ressors mon chemin. Ah mince, il y a des fleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais dit que j'allais les planter, ces fleurs, de toute façon. Toi, faut que tu vires aussi. Peut-être que je le ferai ailleurs, ma forêt avec tous les fruits. Attendez, la forêt avec tous les fruits. Deux secondes. Hop. Ah, mais j'ai aussi tous les fruits autour de chez moi.
Ah bah là, là typiquement, là des échelles, ce sera parfait aussi. Oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Donc ici, on arrive à Hollywood. Donc c'est les pêches. Et donc là, j'ai tous les fruits. Mais, pardon, pardon. Et... alors, ici, c'est... alors, je vais peut-être remplacer les sapins. Là, il y a un arbre fruitier. Oh là là là, ça va être dur, ça va être dur. Alors, je sépare les fruits de base et les fruits exotiques. Ce sera sûrement ça. Parce que ouais, je vais pas avoir de place de l'autre côté, hein. Qu'est-ce qui se passe, Lola? Lou, tu tombes bien. Écoute, j'ai besoin de clochettes le plus vite possible. Alors, je vends des trucs. J'ai sélectionné 4 machins qui traînent chez moi depuis un moment. Dis-moi si certains t'intéressent. Vas-y, montre. Cool. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'une monture cœur pour, disons, 728 clochettes? Allez, d'accord, je prends. Méga cool! Grâce à toi, ce petit oie paillette sera bientôt à moi. Parce que... c'est-à-dire, regarde, il y en a 1, 2, 3... Non, je vais décaler un petit peu, je pense. Un tout petit peu, si je décale de 1. Et là, je rogne un petit peu, là. Ouais, il y a moyen. On fera ça. Et je remplacerai ces 3 arbres sans rien. Et j'aurai tous mes arbres fruitiers aussi dans le coin. Très bien. Ça prend forme, hein. J'espère que ça vous plaira. Bon. Alors, je reprends ça. Oh, il y a toutes les fleurs à retirer. Bonté divine. Comment tu veux que je fasse? Bon. Alors. Ah non, pas encore, hein. Il doit y en avoir dans toutes les pièces. J'adore cette pièce. Ah là là. Mon bureau, il doit être en désordre. Dans mes souvenirs, c'était le bordel. Oh, ça va encore. Bon, il y a un peu des papiers par terre. Ah, mais je veux pas les jeter, Kripsune, mes fleurs, je veux les garder. C'est pour ça que je suis rentré à la maison, je vais les mettre dans mon stock. Ouais, est-ce qu'on aura aussi une Nintendo, une Switch OLED? Ma cuisine. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse agrandir aussi encore la maison. Agrandir les pièces au moins. Les petites pièces sur le côté, ce serait bien de l'avoir plus grand. Ça m'étonnerait pas que ce soit possible quand même, parce que... vu qu'on pourra débloquer les sections de demi-murs et les colonnes. Ah non, les pieds, je peux pas les... ah, je peux pas ranger les pieds. Poser la thune. Je ferais mieux de l'épargner. On va aller l'épargner. On va entreposer ce qu'on peut entreposer. Du coup. Bah j'ai 2 pelles déjà. Bon, c'est pas grave.
Alors, on va passer à la banque. Ce qui ne règle pas mon problème de... Oh oui, il y aura un distributeur aussi qu'on pourra mettre à l'extérieur. Trop bien. Ça règle pas mon problème de place avec toutes ces fleurs. Tiens, il n'y a pas des choses intéressantes là-dedans? Hop. Voilà, ouais, dis donc, un paquet de Nook Miles, hein. Distributeur. Je veux déposer. Dire que je pensais être riche un jour. Alors que je dois tout dépenser pour... améliorer l'île de Joe. Mais bon. Elle pousse comme du chien dans les fleurs. Mais oui, mais Gripsounet, je... il m'en faut. Alors. Oh, Patty, enfin tu es là! Makai, depuis le temps, comment vas-tu? T'as raté l'occasion de rejoindre mon club, le sac des amateurs de glace à la menthe. J'ai dû abandonner le projet. Un membre, ça ne suffisait pas. Je m'ennuyais toute seule. Oh, ma petite Patty Nounette. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont rééditer les 4 premières séries de cartes Amiibo, parce que elles sont difficilement trouvables. Surtout, vu qu'ils vont en sortir une 5e, ce serait bien que les 4 premières reviennent. Alors attends, les jaunes, voilà, les jaunes, hop, je garde une jaune, rouge, je vais garder une couleur de chaque. Être sûr de pas faire de boulettes. Allez. Non, je vais pouvoir cuisiner des petites pâtisseries pour Patty. Alors, donc on va descendre de 1. C'était pour ça que j'ai descendu l'étang. Toi, tu vas être un petit peu près. Alors attends, je vais m'occuper de toi juste après. Non! C'était pas le bon. Voilà, et donc là, t'auras le truc qui ferme. La barrière. Très bien. Bon, j'espère que c'est 6, hein, parce que si c'est pas 6, je suis foutu. Et oui, on fera des rotations, du coup, effectivement. C'est pas si bête, en fait. Bon, j'ai tout ça à retirer. Bon, est-ce que vous êtes prêts à m'aider pour les fleurs? Qu'est-ce que je mets? Comment? Dans quel... Alors attends, je regarde combien j'ai de place encore. Je peux en reprendre 3. C'est vrai que ce serait bien qu'elles suivent le cycle des saisons, les plantations. Ça, je suis d'accord avec toi, Gripsounet.
Super. Je sais pas ce que je fais à part des trous là. Mais je ne veux pas ranger cette plante. Je veux fermer ça et je veux le trésor. Ah, j'ai pas de place pour l'instant, mais bon. Alors, les fleufleurs. Admettons, ici, on va mettre, allez, des roses. Non, je vais mettre, je vais commencer avec là, j'ai perdu leur nom. J'ai jasmin en tête, mais c'est pas ça. Les jacinthes, voilà, les jasmins. Alors, qu'est-ce que je mets dans quel ordre, ici? Au centre, en haut, à gauche, tout ça, pour pouvoir faire des... Faut que je plante en forme de croix, c'est ça, hein, si je veux faire des hybrides, du coup. C'est le plus efficace. Donc, sous quelle forme, pour pouvoir avoir... Je sais pas quelle couleur, d'ailleurs. Est-ce que j'ai toutes les couleurs? J'ai jaune, j'ai orange, j'ai rouge, j'ai blanc, j'ai bleu. J'ai violet, j'en ai une de violette. J'ai rose. J'ai peut-être tout, hein. Ça vaut peut-être pas le coup de faire des hybrides de ça. Alors, qu'est-ce que je veux comme plante Jonah Brand? Bah, je veux simplement celle que j'ai pas encore. Les couleurs que j'ai pas de jacinthe, si possible. S'il y en a que j'ai pas. Ou les tulipes, hein. N'importe. Voyons voir, tulipes... tulipes, j'ai pas les tulipes bleues, par exemple. Je sais pas si... Il me semble qu'il y a des tulipes bleues, pourtant. J'ai noir, rose, blanc, rouge, orange... Donc, apparemment, j'ai tout en jacinthe. Ah bah, c'est très bien, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, il y en a vraiment trop. Je vais en planter ailleurs. Alors, jacinthe, où est-ce que je vais vous planter pour que ça fasse joli? Qui n'est pas encore envahi par les jacinthes? Je vois qu'il y a aussi là un truc à creuser. Bon, je vais les mettre là. Allez. Alors, du rose, du bleu, du rouge, du orange, du violet, du jaune. C'était une rose. Donc je reprends du jaune et du blanc. Il y a toutes les couleurs là. Donc il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs de jacinthe. C'est ça. Bleu, jaune, orange. Ouais, j'ai rien d'autre sur moi. Donc ça veut dire que celles que j'ai en trop, je peux les vendre là. Et j'ai tout. Ah bah là, j'en ai aussi. Bleu... Ouais, je vois pas d'autres couleurs, hein. Après... Je vais retirer les dernières et je vais tout vendre, comme ça. Voilà. Hop là. Parfait, donc je vais pouvoir finir mes champs déjà. Donc jacinthe, c'est bon, j'ai tout.
Non. N'empêche, dans les épisodes précédents, donc il y a plusieurs mois, j'évoquais la possibilité de faire des champs de fleurs, et ben voilà, finalement ils arrivent. Donc, alors, John Avran, tu me dis, pour avoir des tulipes violettes, il me faut des tulipes oranges, c'est ça? Mais pas beaucoup, hein. J'en ai que deux. Et comment on fait les oranges? Parce que si je mets deux, je peux mettre deux oranges, par exemple. Et si je veux plus de oranges... Ah. Bon, deux secondes. Ah, tourne-toi. Rouge et jaune pour orange, bah c'est logique. Mais en même temps, deux oranges pour faire du violet, c'est pas logique, donc... pas toujours chercher à comprendre. Peut-être refaire les fleurs autour de là. Je suis pas fan. Trop mélangé. Alors, je vais vendre mon petit surplus. Ah, ça prend forme. Ah, je suis vachement content. Il va me répéter son truc sur les navets, je le sens. Ah non, c'est bon. Ouf. J'aurais tapé sinon. Tant qu'il me reste un pied à chaque fois, ça va. Je sais que j'ai tout quelque part. Voilà. Ok, bon. J'ai du orange là aussi, s'il faut. Hop. J'ai gagné des maïs nook pour gagner en gagnant des clochettes plutôt. Voilà. Alors, donc, ok, je vais reprendre le orange, ici, alors, je vais mettre un orange central. Voilà, je vais reprendre un rouge du coup. Ok. Ok pour les tulipes. Alors. Pas fini pour autant, hein. Il y a d'autres plantes. Là, les cos... Oh, attends. Non, les chrysanthèmes. Alors, j'ai blanc, rose, jaune, rouge. C'est tout ce que j'ai. Blanc, rose, jaune, rouge. Il y a des verts. Il y a des chrysanthèmes vertes. Et je les ai pas. Alors, comment on fait les chrysanthèmes vertes? Pendant ce temps... Je vais aller. Chrysanthème violet, c'est deux blancs. Ok, bon, je vais prendre des blancs. Oh tiens. Chère personne mystérieuse, je regardais une drôle d'émission de bricolage à 2h du matin, et ça m'a donné une idée de plan.
Je pourrais garder ce plan pour moi, mais j'aime bien partager. Si tu fabriques ça, crie-le-moi. Un petit rocher jardin que je connais déjà. Alors, ça déjà. Hop. Ok. Alors, jaune. Vert. Blanc. Blanc. Vert. J'aime bien ceux où il y en a qu'un aussi, c'est mignon. Faudrait que j'en refasse là où il y en a trois. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bah, ce sera encore. Je vais reprendre du blanc. Voilà. Et du orange. Voilà. Alors, chrysanthème blanc. Ok, c'est pas ce que je voulais. Ah, je veux bien ton document, effectivement, John Abram. Même si je pense qu'on en trouve assez facilement, mais c'est toujours, toujours pratique de l'avoir sous les yeux. Ça dit oui, j'aurais pu... le mettre sur Twitter, ça aurait été bien. Enfin, le mettre sur mon smartphone. Alors, on va tenter les violets. Pour ça, on va prendre que du blanc. Il m'en faut 5, hein. Alors, tu m'as dit les jaunes et rouges ne se croisaient pas tout à l'heure en tulipe. Ah non, tu parlais des chrysanthèmes, peut-être. Non, je sais plus. Non, ils se croisent pas. Là, là, c'est bon, ils sont... Il faut une case de... C'est ça, hein. Alors. Ok. Ok. Ah, il faut que les tulipes... Il faut qu'elles se touchent pour s'hybrider, les John Abram. Ah, je crois qu'il fallait qu'elles se croisent. Salut, Sullivan. Mince, j'ai fait boulette. Là, c'est la orange. Et là, c'est la blanche. Non, pas le circuit. Alors, Donc du coup... Ah oui, en croix, c'est vraiment quand c'est... D'accord, en croix, c'est pour optimiser. D'accord. Mais du coup, ouais, là, je peux pas. Parce que sinon, c'est les oranges vont plus toucher, sinon. En revanche, si je fais ça, voilà. Je peux potentiellement avoir du orange ici, par exemple. Ok. Alors. Encore un cadeau ?
Oh, sympa. Les clochettes, on prend, hein. Eh bah, dis donc. Voilà, moi, très bien. Moi, ça me va, hein. Ah, ça va être sympa. Faudra que je bouge un petit peu mon établi au-dessus. Il va être trop près. Ça va pas me plaire. J'aime quand ça respire. Donc pour ça... Eh ben, j'ai plus de place. Alors j'ai posé mes chrysanthèmes, hein, voilà, ce sera fait, ça fera de la place. Donc la croix, c'est vraiment quand on met 5 fois la même couleur du coup. Là on a une hybridation maximale, ou alors avec avec un croisement genre s'il faut blanc et rouge, mais 4 blancs et un rouge au milieu. Alors, cet arbre-là, j'avais dit que ça m'allait pas. Hop, pomme. Ok. Alors pour les roses, est-ce que j'ai tout, tiens? Non, j'ai pas les roses bleues. Et là, effectivement, concernant les roses, voilà, il y a la question des gènes des fleurs à prendre en compte. C'est ce qui rend le truc un peu plus compliqué. Alors j'ai du blanc, du rouge, du jaune, du orange, du violet, du noir, du rose. Qu'est-ce que je fais? Finir. J'agrandis pas le champ, c'est pour mettre les barrières. Ça fera plus joli sur de la terre battue, je crois. Alors je copie complètement ce qu'ils ont fait dans le trailer, mais je trouve ça tellement mignon. Toi tu me colles, ça me va pas. Pam pam padam. Hop. Alors, est-ce que j'ai encore de la place? Parfait, une. Non, ah, Michel. Mais... Alors, si j'ouvre le petit document d'hybridation... Voyons voir. Pour mes roses. Hop, 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 hop. Alors. Ah, je capte mal. Voilà. Donc. Alors, rose. Touk, 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 touk. Fleurs plantées en quinconce. Ah, voilà. Guide d'hybridation.
Obtenir les roses bleues. Pouh là 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 là. Faut passer par les roses oranges pour avoir des bonnes roses rouges. Alors. Ah bah oui, bah oui. Bah, attends, je remets en terre. Ah mais pas n'importe quelle rose orange en plus, parce que c'est les roses oranges qui viennent de... Ah ouais. Ah ouais, c'est ça qui complique. Parce que t'as des roses oranges qui viennent du rouge et jaune, mais t'as celles qui viennent de violet et orange. Et c'est pas les mêmes types de roses oranges. Oh là 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 là. Ah ouais. C'est compliqué cette affaire. Alors... Pareil avec les blanches et tout. Oh là là. Bon. Alors. Deux secondes. Ah ouais. J'en ai après me dit c'est plus facile de commencer avec des graines pour partir d'un jeune homme correct. Bon. On va faire de la vente. J'ai pas de fleurs rares sur moi. Non, tout ça, je l'ai en plein d'exemplaires. On va faire de la place. Eh ben, il est dense cet épisode, hein, pour un épisode de retour à Cocolindo. Alors. Anémone, pied orange, je vérifie quand même. Bon, les feuillus, allez, hop, zou. J'en garde un, histoire 2. Voilà. Alors. Hop. Je vais en profiter, il y a Racine qui est là aussi, donc... C'est jamais... Alors... T'as un lien vers une hybridation de rose bleue en 4 étapes, Gab? Ah bah je serais curieux de voir ça, tiens. Je vais quand même tenter la méthode... Quoi que tu me diras en termes de pouces, là j'ai tout ce qu'on peut acheter. Le reste c'est de l'hybridation. Je vais faire la méga méthode pour l'instant, là. Elle est en combien d'étapes? 9 étapes. Alors... Donc d'abord ici, 1, 2, 3, il me faut blanc, jaune, blanc, blanc. Ah mais comment tu sais qu'après t'as du bon... Alors, autant pour le blanc, blanc, je comprends. Mais après, comment tu sais que c'est une rose blanche qui est issue de blanc, jaune? Bah si, en fait, c'est logique. C'est logique. Si t'as une nouvelle rose blanche, ça sera par hybridation. Attends. Tu veux que je plante des fleurs? Bah écoute, regarde. Jaune rouge ici. Ah, ma musique préférée. Ta-da-da-ta-ta-da.
Ça veut dire qu'il est midi. Ok. Je pense que je fais les choses assez bien là. On verra ce que ça donne, hein. Attends, je vais bien me mettre. Par contre, oui, il faut que j'arrose à un moment, hein, sinon ça va pas marcher. Voilà. Ah non, mais fais pas ça, c'est pas beau. Oh, quoique. Oh, quoique. Ça pue. Bah attends, je vais retirer celui-là. Comme ça, tout sera placé. Et je pourrais en refaire. Et puis on va arroser ces petites fleurs maintenant. Ah là là. J'avais pas un arrosoir doré, moi. J'ai même plus. Pam pa da 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 da. Bah voilà. T'es arrosé toi, oui. Parfait. Ça prend forme. Ça y est, j'ai mon champ de fleurs contre toute attente. Qui tombe au bon moment, hein. C'est juste que... Il y a les légumes qui vont arriver. Bien! Et ben voilà, c'est tout pour cet épisode de retour à Cocolindo. J'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver mes habitants. Moi, je suis très content de les avoir recroisés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très vite pour Animal Crossing New Horizons. Ciao!